Passé une partie de ma vie à entraîner des chevaux. Une maladie m'a guidée sur la voie du yoga et de la méditation. Je pratique depuis 15 ans et j'enseigne depuis plus de 10 ans. J'ai aujourd'hui plusieurs formations en yoga qui m'ont permis de fonder l'école de yoga Ananda à Saint-Germain. Alors, Mme Julie Piette va vous faire sa conférence. J'ai pas l'habitude de parler à la verticale comme ça, d'habitude je suis à terre, je suis la tête en bas, alors ça va être un petit peu différent de parler comme ça. Donc voilà, le yoga, pourquoi il est apparu dans ma vie, à 24 ans, j'ai commencé à faire de la fibromyalgie. Alors, je pouvais plus faire grand-chose, c'est ça qui m'a fait arrêter ma carrière dans les chevaux. J'entraînais des chevaux, puis je faisais des compétitions et tout ça. Donc, quand j'ai été diagnostiquée par un rhumatologue fibromyalgie, j'étais vraiment en mode de vie depuis presque plus de 10 ans. J'avais un genou, en fait, ça s'est installé un peu partout dans mon corps. Je voulais pas prendre des médicaments. Donc, le yoga est arrivé dans ma vie un peu... Par hasard, j'ai rencontré un professeur de yoga qui faisait une sorte de yoga qu'on appelle le yoga Iyengar, qui vient vraiment de l'Inde, ça vient de la source du yoga. Et c'est un yoga un peu thérapeutique. Alors, ce prof-là a été vraiment un ange qui est apparu sur mon chemin de vie. Et puis, j'ai commencé à pratiquer. Et puis, j'ai ressenti les effets vraiment après le premier cours. Ça m'a fait un grand bien. Puis, j'ai décidé de continuer. Pratiquer le yoga donc 2-3 fois par semaine pour aider aux gens. Alors ça c'est un peu ça. Est-ce que la fibromyalgie c'est une maladie auto-immune? Elle est maintenant aujourd'hui considérée auto-immune, donc c'est le système immunitaire qui s'attaque contre lui-même. Alors c'est des douleurs diffuses un petit peu partout. Et puis c'est comme un dérèglement entre le cerveau et le système nerveux. Fait que le cerveau il envoie des signes tout le temps de douleur. Alors, il n'y a pas plus de contrôle. Le yoga, bien sûr, aide à se calmer et à apaiser le système nerveux dont c'est pas Donc, à partir de là, j'ai décidé, ben là, moi, il faut que je partage ça au monde parce que je me disais, moi, j'allais mieux. Alors, pourquoi pas aider les gens avec ça? J'étais bien placée parce que je connaissais quoi avoir mal. Alors, j'ai décidé de faire ma formation en yoga. J'ai fait ma première formation de 200 heures avec ce professeur-là. Et puis, j'ai eu la chance d'étudier avec elle, mais aussi avec une ostéopathe qui nous a suivis pendant un an. Fait qu'en plus d'apprendre les postures de yoga, bien, on apprenait toute l'anatomie, on apprenait l'anatomie dans le mouvement et tout ça. Fait que c'était super intéressant. Elle nous guidait comme... avec les traitements d'ostéopathie, puis elle appliquait ça avec les postures de yoga. Alors ça a été ma première formation que j'ai faite. Ensuite, là, je n'ai fait plusieurs. J'ai eu la chance de rencontrer des professeurs incroyables de yoga. J'ai été formée à Montréal en formation thérapeutique, donc j'ai fait plusieurs modules de formation qui m'aident aujourd'hui à aider des gens avec des problèmes chroniques au niveau des épaules, du cou, des hanches, bas de dos. Alors aujourd'hui, c'est comme les gens ont beaucoup mal au dos, il y a des gens en remplacement d'hanches et tout ça, on entend parler beaucoup de ça, fait qu'on peut pas faire un yoga comme dans l'Inde, en Inde, non? Les gens sont super flexibles, il fait chaud, ici il fait froid, on a toutes sortes de problèmes qui viennent de notre société, on est toujours assis sur des chaises, alors ça amène toutes sortes de conditions. J'ai fait aussi des formations thérapeutiques pour les gens, justement, qui ont des maladies auto-immunes, pour les gens qui ont le cancer,
pour les problèmes d'anxiété, de dépression, donc c'est des formations spécifiques comme ça. Et ensuite, j'ai fait aussi une formation au niveau du plancher pelvien. Alors, le centre du corps, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec leur plancher pelvien, fait que là, je suis en train de finir ça. Donc, toutes sortes de choses que j'ai explorées en yoga qui m'aident à aider les gens le plus possible. Donc, j'enseigne un yoga adapté. Alors, c'est pas un yoga où on voit souvent dans les livres, dans les... Là, c'est la grosse mode, hein, yoga, là, de santé, de comment faire le yoga. Mais souvent, le yoga, il est pas adapté aux gens. Alors, les gens, ils viennent pas d'en faire, justement, parce qu'ils sont pas capables de suivre. Des fois, c'est des grosses classes avec beaucoup de monde dans les classes. Moi, j'enseigne à des petits groupes, et même si j'agrandis mon local en juillet, je vais quand même garder la formule petit parce que j'apprends à connaître les gens. Et puis, c'est ça qui me passionne. On développe un lien entre moi et les élèves, puis je suis capable de répondre aux besoins. Alors, chaque personne apprend aussi à travailler selon ce qu'elle a besoin. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, ben là aussi, ce soir, j'étais là pour vous parler de c'est quoi le yoga. Alors, je reconnais certains usages, mais pour d'autres personnes, c'est peut-être nouveau. Alors, le yoga, c'est pas nécessairement de se mettre les jambes derrière la tête. C'est de unir le corps et l'esprit. Alors, c'est ça la définition du mot yoga. Donc, unir corps et esprit. Et puis, un yogi, c'est quelqu'un qui habite son corps. Donc, on s'en fout si on n'est pas capable d'aller se toucher les orteils. Si on a besoin d'un bloc, alors moi je travaille beaucoup avec les accessoires, c'est pour ça que c'est accessible pour tout le monde. C'est quelqu'un qui ne peut pas se pencher beaucoup, ben, il prend un bloc et là c'est même très bon, un bloc, je travaille avec des chaises. Alors c'est pour ça que tout le monde peut travailler à son rythme. Alors ça c'est la définition du yoga. On sait que le yoga, bon, il y a plein d'effets positifs pour le yoga. Ça aide à renforcer les muscles, ça aide à renforcer les os, c'est super bon pour prévenir l'ostéoporose, ça aide à prévenir les maladies cardiovasculaires, c'est bon pour le diabète, ça a un effet bénéfique sur le niveau psychologique, sur l'humeur. Alors, l'humeur va mieux quand on pratique le yoga, ça aide à l'anxiété, à la dépression. Ça agit au niveau musculo-squelettique, donc le système musculo-squelettique, ça agit au niveau organique et surtout ça agit au niveau du système nerveux central. Alors, on sait, c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement que chaque maladie, les symptômes augmentent quand on vit du stress. Donc, c'est ça qui m'intéressait beaucoup par rapport à la fibro. Quand on réduit l'anxiété, ben, les symptômes sont un petit peu moins intenses dans le corps. Alors, c'est sûr que le yoga ne guérit pas les maladies, c'est pas ça, ça va pas nous guérir d'un cancer ou d'une maladie qu'on a, mais ça peut aider à apaiser le système nerveux. Donc, quand le système nerveux est apaisé, en même temps, ça aide pour les symptômes. Alors, c'est un petit peu ça que moi, ça m'a tellement aidé par rapport au système nerveux central, justement, parce que la fibro est reliée avec ça. Alors, le yoga, maintenant, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu aussi que le yoga est en train de devenir un peu comme une thérapie. Donc, il y a des thérapeutes, on appelle ça en anglais yoga therapy, des thérapeutes qui travaillent avec les médecins, qui travaillent avec les physios, et puis ils travaillent avec des gens qui ont eu des chocs, des accidents, faut qu'ils se réalisent, ben le yoga va aider avec ces gens-là. Puis ces personnes-là, c'est des formations. Puis j'ai appris ça justement en fin de semaine, j'ai été à Ottawa. Puis dans le bed and breakfast qu'on était, la femme qui avait ça, faisait ça, elle était en charge de cette école-là de yoga thérapie. Puis les gens qui se forment là-dedans étudient pendant 3 ans. Alors c'est pas n'importe quoi, là. C'est vraiment des études quand même assez poussées. Puis ils travaillent avec ces gens-là, puis ils ont des liens avec les docteurs et tout ça. Ça existe. Le yoga, moi, pour moi, c'est pour tout le monde. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il soit adapté. Alors, justement, les accessoires, souvent dans les studios de yoga, il n'y a pas d'accessoires. Quelqu'un qui arrive, qui n'est pas flexible, ou qui a des problèmes de dos et tout ça, ben, il ne peut pas faire du yoga parce que justement, il ne suit pas. Fait que moi, je travaille avec toutes sortes d'accessoires et qui aident les gens à mieux suivre le cours. Et puis, il faut que, pour ça que je travaille avec des petits groupes ici, aussi, c'est pour ça qu'il faut l'adapter. Donc, souvent, les gens disent, ah, c'est pas pour moi, yoga, mais moi, je pense que s'il est bien fait, je pense que tout le monde peut en yoga.
Je pratique aussi la méditation depuis plusieurs années. Alors, la méditation, ça commence à être de plus en plus populaire. Avant, j'avais vraiment 3-4 personnes, puis là, le vendredi matin, quand je fais une méditation, on est rendu de quoi 10-12 personnes. Alors, je trouve ça magnifique. Fait que la méditation, c'est quoi? Puis là, ben, j'ai trouvé quelque chose sur Facebook l'autre jour, je vais juste vous partager parce que c'est très drôle. La méditation, il disait pourquoi on médite? C'est parce que Monsieur Google ne peut pas répondre à toutes les questions. Alors, je me suis très cute quand j'ai vu ça, donc c'est pour ça. Alors, on pense qu'on peut répondre à toutes les questions dans notre vie, mais non. Alors, on s'assoit puis on médite. Donc, la méditation, c'est vraiment d'être présent à l'expérience telle qu'elle. Alors, être présent aux sensations physiques, être présent aux émotions, être présent aux pensées, à ce qu'on pense, être présent à nos états. Donc, c'est pas d'arrêter de penser. C'est impossible. Je médite depuis presque 15 ans. Je n'ai jamais été capable d'arrêter de penser. Mais maintenant, je suis capable d'observer mes pensées et de ne pas m'accrocher après les pensées. Et ça, c'est déjà énorme parce que souvent, on pense qu'on se pense nos pensées, on pense qu'on est ça, mais c'est pas ça. Alors, les pensées, c'est comme des nuages, ça passe, tout change. Puis à force de pratiquer, bien, la vie devient beaucoup moins dramatique parce qu'on ne s'accroche pas justement à tout ce que le mental dit. Le mental, c'est comme un petit hamster qui roule la journée longue. Alors quand on est capable de voir qu'il dit toujours la même chose, puis d'être capable de revenir dans son corps, bien, ça fait un grand bien. Alors depuis, ça va être en fait ma deuxième année que je vais le voir, mais j'ai été le voir l'année passée, j'ai été voir un maître bouddhiste, donc ça c'est nouveau dans ma vie, donc je suis ce maître-là, c'est un maître tibétain, puis je veux vraiment aller voir à chaque année, là, on va le voir au Colorado à chaque été, mais pendant l'année on suit ses enseignements, alors j'ai été même baptisée de ses vœux à lui bouddhiste. Et puis la méditation bouddhiste, ben premièrement, le bouddhisme, c'est pas une religion, c'est une façon de voir la vie, c'est une façon de vivre. Et puis lui, son enseignement, c'est de se connecter avec son cœur. Alors, c'est de connecter l'esprit et le cœur. Donc, c'est un super bel enseignement. Ça nous apprend, quand on est connecté dans le cœur, ben dans le cœur, c'est là qu'il y a la tendresse, le non-jugement, l'accueil, tout est là, la compassion. Alors, plus on se connecte avec son cœur et plus on peut être compassionné envers nous-mêmes, en premier. Et la compassion envers nous-mêmes, c'est d'être capable d'avoir de la compassion envers tout notre matériel intérieur, hein, toutes les émotions qu'on vit et tout ça. Puis après ça, bien, on peut développer de la compassion envers les autres. Alors, c'est ça, lui, son enseignement. Il a écrit des livres et tout ça. Moi, c'est ça que je transmets dans les méditations du vendredi matin. On fait aussi des mantras avec les malins aussi. C'est comme un peu dans la religion catholique comme un chapelet, mais ça vient de l'Inde, mais ça n'a aucune connotation religieuse. Donc, c'est comme des pensées positives, des mantras qu'on appelle des phrases qu'on répète, puis ça s'envoie dans l'univers. C'est ça que j'explore ici. Et puis, la guérison. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi je pratique? Pourquoi je l'enseigne? C'est que je comprends aujourd'hui que la guérison, c'est pas nécessairement l'absence de symptômes, parce que j'ai encore des douleurs. Des fois, ça va moins bien, tout ça. La fibromyalgie est encore là dans mon corps, mais j'en suis venue à une acceptation puis un accueil de tout ça. Puis c'est ça qui fait que je vais bien aujourd'hui. Alors, comme on est capable d'accueillir ce qui est là, puis de semer là-dedans, mais je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Puis je pense que pour moi, c'est ça, la guérison, puis c'est ça que je veux un petit peu partager aux gens. Alors, puis les gens, ils me disent souvent que ça fait du bien. C'est une autre façon de se guérir, parce que souvent, les médicaments, des fois, on prend les médicaments, donc ça ne veut pas dire qu'on va guérir. Il y a des choses que la science, des fois, ne peut pas faire. Puis la science est super importante, je ne dis pas qu'elle a une grande place, mais aussi c'est important d'apprendre à faire son travail puis se rendre autonome face à ce qu'on vit. C'est pas mal ce que je voulais vous partager, puis je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais aussi j'aimerais ça qu'on prenne un petit peu de temps pour les questions, soit par rapport à ce que je vous ai dit ou des questions que vous auriez par rapport au yoga. Puis, je voulais aussi vous dire que ces livres-là, qui sont là, vous pouvez venir les voir. C'est tout en anglais, parce que les livres en yoga sont surtout en anglais, mais c'est pas grave.
ça vous montre un petit peu quel genre de livre qu'il y a hein, par rapport. Il y a de, tu sais, du yoga pour les gens qui font de l'arthrite, il y a du yoga pour des personnes qui ont des gros problèmes de dos, il y a du yoga pour les personnes en vieillissant. On a besoin d'un yoga différent que quand on a 20 ans. Alors, tout est là, vous pouvez regarder ça si vous voulez. Les accessoires, j'avais apporté des petits accessoires pour montrer c'est quoi les accessoires de yoga. Puis tantôt, à la fin du souper, je pourrais sonner le gong. Alors, c'est un bol tibétain que j'ai apporté. Il est sur la table. Et puis, c'est des bols faits en plusieurs sortes de métaux. Là, il y a du cuivre, en tout cas, je ne sais pas exactement les métaux. Puis, c'est des bols faits d'une façon spéciale que quand tu les sonnes, ça a un son assez exceptionnel. Alors, je pourrais vous le faire sonner tantôt. Puis, c'est un son qui guérit vraiment. Il y a même des gens qui traitent avec ces bols-là. Alors, je pourrais vous le faire entendre. Vous pratiquez une sorte de yoga. Pouvez-vous nous dire combien il peut avoir de sortes de yoga parce qu'on appelle, je ne suis pas capable de les nommer. Mais ben, il y a beaucoup de sortes. Hein. Le yoga qui est à la mode, c'est en tout, c'est le yoga chaud. Alors, on entend beaucoup parler de ça. Je pense que les salles sont chauffées à 45 degrés. Et puis, c'est des enchaînements spécifiques hein, qu'on refait. Donc, c'est un yoga qui est très cardio, c'est un yoga workout. Bon, ça nous apprend à se déposer, ça nous apprend à respirer. Ces yogas-là sont très rapides. Puis aussi, ben, c'est sûr qu'à 45 degrés, il y a quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, ça ne va pas faire ça. Il faut juste faire attention à savoir c'est pour qui. C'est sûr que les jeunes de 20 ans, ils trippent là-dessus, puis c'est super, parce que les jeunes de 20 ans, ils ont besoin de ça. Alors, il y a des yogas pour tout le monde. Donc, moi, le yoga, c'est le yoga d'Ayanga, mais je vais juste vous montrer ici le nom parce que des fois, on entend le nom, mais vous pourrez voir, là, c'est Monsieur Ayanga qui a développé ce yoga-là. C'est un maître en yoga qui vient de l'Inde. Il est décédé il n'y a pas longtemps, je pense, ça fait 2 ans. Enfin, il y a 92 ans. Et puis, il a développé un yoga pour les gens en Occident. Parce que les gens en Occident, ils ont le mental très agité à comparer aux gens en Orient. Puis, on est beaucoup moins flexible. Alors, c'est lui qui a développé tous les accessoires et tout ce yoga-là. Alors, il est super intéressant. Moi, c'est ça que je fais. C'est un yoga thérapeutique en même temps. Mais il y en a plein, hein, de sortes de yoga. Je peux même pas toutes les nommer. Mais il y en a beaucoup. Ouais. Si une personne veut vous rencontrer parce qu'elle a un problème spécifique en moi, moi je viens, je vais opérer pour dehors, je suis tout à fait raide, je ne peux pas faire tout ce que je veux. À ce moment-là, est-ce que vous faites vos séances avec elle ou si vous avez des groupes dans lesquels les personnes peuvent embarquer et qui conviendraient à tout le monde? Oui, bien moi, quand la personne, on va dire, il y a un problème comme ça au niveau d'une articulation, moi souvent je vais rencontrer la personne en premier, en privé, peut-être une fois, deux fois. Puis je lui montre comment travailler. Puis après ça, la personne, elle s'intègre quand même assez bien dans les groupes débutants. À moins que ça soit vraiment, comme il y a certaines personnes avec qui j'ai travaillé qui faisaient comme la sclérose en plaques. Donc ces personnes-là, c'est sûr qu'elles n'ont plus d'équilibre. Alors on ne peut pas vraiment les inclure dans un groupe. Donc là, je pourrais partir un groupe juste pour ces personnes-là. C'est sûr que ça me prend un certain nombre de personnes, mais justement, sur ma publicité, j'ai du yoga que j'offre. C'est pas encore installé, mais du yoga pour des personnes à mobilité réduite. Donc, c'est du yoga sur chaise. Fait que tout est fait sur la chaise. Alors, ils se tiennent debout avec la chaise, ils font toutes les postures assises. Donc, ça aussi, ça se peut dans le monde de yoga. On peut faire ça. Mais, je dis, moi, j'ai plein d'élèves qui ont des remplacements de genoux, de hanches, qui ont des problèmes dans le dos. Des fois, je les rencontre pas, ça dépend. Des fois, je les rencontre, puis ils suivent très bien parce qu'ils apprennent comment travailler par rapport à ce qu'ils ont. Alors, c'est ça, c'est pas juste que là, tu te ramasses tout seul dans ton petit groupe, tu peux t'intégrer avec le groupe. Tu peux avoir une liste d'attente. J'ai pas de liste d'attente encore, mais j'ai beaucoup de monde. Donc, on communique avec vous, ouais. On vous explique le problème, ouais. On vous rencontre, ouais. Et puis c'est là que vous commencez à penser ouais. Qu'est-ce qui serait bon pour la tout personne. Tout à fait. Moi, je peux, tu sais, il y a des gens qui veulent vraiment me voir en privé avant, donc c'est parfait. Je les rencontre et tout ça. Puis après ça, mais tranquillement, c'est sûr que c'est dans un groupe de temps, c'est mieux. Là. Il y a des gens qui restent dans ces groupes-là parce que justement, à cause de la condition, c'est mieux avec un rythme plus lent. Puis je dis même gros débutants, c'est pas que. On n'est pas bon, là, je veux dire, tu sais, on apprend tout le temps en yoga, hein, que débutant, avancé. Moi, je mets ça, là, vraiment, pour que les gens sachent, mais tout le monde reste débutant, moi, je pense. Parce que le corps, tu sais, c'est toujours différent, le corps, hein, fait,
dire que tu fasses la posture 50 000 fois, tu vas jamais la ressentir de la même façon. Alors, je mets mes niveaux, mais en même temps, il y a des gens qui font longtemps qu'ils font du yoga, ils viennent dans les cours débutants, puis ils sont toujours aussi contents. Ils apprécient quand même. Mais c'est vrai. Vous êtes installé à Saint-Donat. Ah oui, oui. Donc, on communique avec vous. Oui. Le numéro, je vous ai appelé aujourd'hui. Exactement, oui. Et puis, à ce moment-là, on peut prendre un rendez-vous. Oui. Et après ça, on peut commencer les exercices avec vous. Oui, tout à fait. Ben, c'est quelque chose que je ne savais pas. Ah non? Pas du tout. Jamais, j'ai été informée. Je sais qu'on m'a dit des bonnes choses de vous, que vous étiez excellente, que vous étiez bonne, mais je ne pouvais pas deviner que vous alliez aussi loin que ça. Mm-hmm. Oui, c'est vraiment, souvent les gens, c'est ça, ils savent pas, on sait pas c'est quoi, il y a des gens qui ça leur fait peur ici, ou je fais pas beaucoup de publicité, j'ai déjà beaucoup de monde, mais je veux dire, dans le pamphlet de la ville, là, à des gens qui auprès à l'hiver, ils m'inscrivent, mais à part ça, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans, ma 10e année à faire ça. Donc, oui, j'ai commencé dans le sous-sol de chez nous, avec 6 places. Après ça, je me suis en allée en bas de l'ancienne caisse populaire, en bas des notaires. Après là, je suis rendue à la fruiterie, dans les bâtiments de la fruiterie en face du Proxim. Et puis là, je déménage à l'hôtel Spa. Je prends l'ancien restaurant qui était le jardin. Le jardin. Ouais. Alors là, c'est le double de ce que j'ai. Et puis le spa va être là en même temps. Et puis c'est bon de s'informer, puis vous avez probablement une carte ou quelque chose qui vous... J'ai un site web. Alors, de toute façon, quand vous tapez Yoga Saint-Donat, ça apparaît. L'école apparaît tout de suite, que tout est là, tout ce que je fais. C'est sûr. Tu veux que je te fasse un nom? Oui, c'est vous, Maria. Ben, moi, Irène, j'ai deux hanches opérées, puis je suis allée voir Julie. L'année après que je me suis fait opérer les deux hanches, et maintenant je suis capable de faire le petit chien, le grand chien, toutes sortes d'affaires. Et certaines choses, je ne fais pas encore, puis c'est pas grave. Je l'ai fait avec 3 blocs, 4 blocs. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de compétition. Donc, des personnes ont une très belle, comme des sylphides, puis on fait des belles choses. Donc, moi, je me sens super bien. Je trouve que ça m'a fait beaucoup de bien. Puis c'est très agréable, puis comme je te dis, on est tous d'un certain âge, puis on est tous avec des bourrelets puis des ventes qui sont dans le chemin pour faire des vies. C'est comme ça, puis c'est pas plus grave. Alors, il ne faut pas avoir peur, on se met jamais sur la tête avec les gens. Alors vous faites le bon. Oui, avec la respiration. Alors, je voulais juste terminer en disant que oui, l'école grossit. Là, maintenant aussi, j'ai un collègue qui travaille avec moi. Elle est super bonne aussi. Alors, on partage beaucoup. Puis elle, là, elle commence à enseigner de plus en plus. Elle enseigne le même genre de yoga que moi, mais elle a ses différentes couleurs. Alors, c'est super le fun. Donc, vraiment, on est une super belle équipe. Et puis, le yoga, ça a changé ma vie. Ça a été très difficile à 24 ans, là, plus capable de sortir, plus capable d'aller nulle part. Je faisais de la fatigue chronique et tout ça. Fait que c'est vraiment le fun de partager ça parce que, oui, ça fonctionne. Ça prend du temps, ça prend du courage, mais en même temps, quand on apprend à se connaître, on apprend à développer ça, notre ressenti, se connecter avec nous-mêmes, c'est incroyable que ça peut amener. Je pense que tout le monde en a besoin aujourd'hui. La planète en a besoin de tout ça, ces enseignements-là. Alors, c'est toujours un plaisir de partager ça avec les gens. J'aime beaucoup ce que je fais. Et puis, Maria m'a envoyé justement la dernière une prof de semaine. Elle m'a envoyé un prof de yoga. Il avait 95 ans, je pense. Ouais. Et il avait marqué, Julie, tu prendras pas ta retraite bientôt.
Thank you.